Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Opus, il est toujours en pleine forme, comme d'habitude. Non, mais mon loulou, tu vas pas faire ça à chaque fois. Ils viennent de se balader, donc c'est normal s'ils sont un peu sales. Allez, Opus, tu t'assois sur la chaise, tu vas pas commencer. Donc je disais qu'on se retrouvait pour une nouvelle vidéo, comme la semaine dernière, dehors, parce que c'est la suite de cette vidéo. La semaine dernière, nous avons fait des jolis tableaux. Donc celui-là, c'est celui de Mélodie. Hop. Et celui-là, c'est celui d'Opus. Et comme c'était vraiment pas terrible, c'est surtout de ma faute, j'ai fait un peu beaucoup n'importe quoi. Je pouvais pas rester sur une défaite, donc voici la partie 2. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai dans le petit i. Donc aujourd'hui, on va faire deux choses. Tout d'abord, on va refaire le tableau d'Opus. Donc on va se servir de cette base-là, un peu vert bleu. Et on va recommencer. Vous avez été nombreux à me donner quelques astuces, donc on va les tester. Attention le vent, je suis désolée pour le bruit. Donc pour faire cela, c'est comme la dernière fois, j'ai racheté du Saint-Mouret, j'ai de la peinture et un sac plastique pour le mettre dedans. J'ai pris des ciseaux parce que au lieu de faire glisser le sac où il y aura de la peinture, je vais le couper. Comme d'ailleurs je l'avais fait pour le tableau de Mélodie. Voilà. Et dans une deuxième partie, vous avez été nombreux à me dire que ça serait beau si je faisais la pâte de Mélodie et Opus sur, en plein milieu du tableau. Pour tout vous dire, j'y avais pensé, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, le choix de la peinture. Merci l'avion, hein. Ah, c'est un hélicoptère. Magnifique, super. C'est le bon moment, bravo. Donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit, on a une base bleue, donc je vais refaire du bleu, je pense. Le problème c'est que j'ai plus beaucoup de couleurs. Non, non. On va remettre du blanc, du bleu vert, du bleu bleu. Non loulou, non non non. Et pourquoi pas du rouge tiens? Non, non ça va pas. Ou du jaune. Eh bien je pense que ces couleurs peuvent être sympas. On va faire ça. Allez go. J'ai peur d'avoir oublié une étape. Tu me regardes toi? C'est trop mimes. Allez on commence, on va mettre du blanc d'abord. Ah ça refait des bulles, c'est super ça. Du bleu vert. Ensuite du bleu. De la peinture sur le doigt. Et enfin, on va mettre un peu de jaune. Je sais pas si j'ai mis assez de peinture. Donc ça, on va mettre de côté pour l'instant et on va préparer le sac. Ah oui, on m'a donné comme conseil de pas le fermer avec du scotch, mais je pense que ça va rien changer. Parce que de base, ils utilisent un sac de congélation avec un zip. Parce que là, j'ai pas de sac à zip assez grand pour le tableau. Donc je pense que le scotch, ça a rien à voir. Voilà, on va dire que c'est bon. Non, 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 non. Super, merci le vent. Cette fois-ci, c'est pas ma faute, hein. Et c'est parti, on met le tableau dedans. Génial, on va prendre du sopalin. Hop, hop. Non. Mais c'est pas possible. Et voilà notre tableau, on va aller le donner à Opus. Et pas Mélodie. En tout cas, il est très content. Assis, mon gars, assis. Voilà, attends. Attends, mon gars. Hop, voilà, vas-y. Bon, en tout cas, je pense que c'est toujours aussi bon. Allez, c'est bon, ça suffit. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que Mélodie, qu'Opus a léché. Donc j'espère que ça va bien rendre. On va prendre tout de suite les ciseaux et on va découper. Mon téléphone. Pourquoi je l'ai mis là aussi? Sopalin. Non. Oh mais c'est pas possible. On va vite remballer ça avant que ça tâche quelqu'un. Et voilà ce que le tableau d'Opus donne. Attention. Voilà.
Bon, il n'est pas encore sec. Bon, après, c'est déjà toujours mieux, mais j'aime pas les couleurs. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai mis le jaune, dans ma tête, je pensais pas que ça allait faire vert. Enfin, je m'en suis rendu compte après que ça allait faire vert et j'aime pas trop le vert. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Bon, par contre, j'en ai toujours autant sur mes mains. Bon, je vais aller faire sécher le tableau. On va retrouver Mélodie pour faire l'empreinte sur son tableau. Et je pense, bah, le temps que ça sèche, demain, on se retrouve pour faire la pâte d'Opus. J'ai retrouvé Mélodie, on prend le tableau de Mélodie. On va prendre du film transparent. Je vais prendre des feuilles, je vais mettre de la peinture noire dessus. Je vais mettre du film plastique sur sa page. Je vais appuyer sur la peinture et je vais rappuyer sur le tableau. Allez, go! Pas bouger. Pas bouger, c'est trop tard maintenant. Ça va faire une grosse tache. Attends, pas bouger. Mais non, ça va pas encore. Vas-y, tu donnes ta papette. Hop. Bon, j'ai essuyé un peu le surplus de noir. Ça fait des gros pâtés, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. On va faire ça tout de suite. Hop, attention. On appuie bien. Je le sens pas. Ok, d'accord. Mais pourquoi pas? Je vous ai redressé pour vous montrer le résultat. Franchement, je sais même pas pourquoi je vous écoute. Et pourquoi je m'écoute aussi, parce que j'ai eu quand même l'idée. Mais c'est du grand n'importe quoi, sérieusement. Regardez cette grosse tache. Elle est même pas cendrée en plus. Franchement, je vais faire quoi moi de ça? Je vous écoute plus, hein, c'est fini. Je sais même pas comment je vais faire avec Opus. Je vais réfléchir cette nuit. Et on se retrouve demain pour faire la pâte d'Opus sur le nouveau tableau. Vous m'énervez, hein. Vous avez pas des bonnes idées là, hein. Ou alors fallait me préciser comment il fallait faire, parce que là ça va pas du tout. Ça a pris les poils de Mélodie. Pas son empreinte, ça a pris les poils ou le contour quoi. Je sais vraiment pas quoi faire, je suis désespérée. Bon allez, je vais tout ranger et je vous dis à demain. Bon les copains, on est le lendemain. Je me suis préparée pour continuer cette vidéo. Et je ressors le tableau d'Opus, sauf qu'il est pas sec. Il est pas sec, donc ça fait 24 heures et on se revoit demain du coup. Donc voilà le tableau d'Opus. Et là si je fais comme ça, vous pouvez voir qu'il y a des... au milieu, c'est pas sec. Bon, c'est sûr, c'est là où il y a le plus de peinture, mais voilà, et c'est pas sec quoi. Et bien finalement, on est toujours le lendemain. J'ai eu le temps d'aller faire des courses, j'ai laissé le tableau un peu dehors. Il a presque eu le temps de sécher. Ici, c'est pas encore sec, mais bon, on va dire qu'on va mettre la pâte par ici, donc ça devrait aller. J'espère que ça va être mieux que Mélodie, hein. Je vais préparer la peinture. Mais non, ça se mange pas lourd. Tu vas pas commencer à manger de la peinture noire. Je sens qu'Opus, il va partir. C'est un trouillard, donc... Non, voilà. Tu restes là, loulou. Tu donnes la pâte? Ouais, tu me donnes ta pâte. Regarde, tu la mets là. Pas sur moi, tu la mets là. Attends, regarde. Hop. Hop. Regarde, on va faire ça. Tac. Attends, pas bouger. Ça ressemble à rien du tout, loulou, ce que tu fais. Bon, c'est parti. J'espère que cette fois-ci, ça va être bon. J'essuie un peu l'excédent sur les feuilles. Et maintenant, on va mettre dedans. Attends, pas bouger Opus. J'ai essayé de trouver l'endroit où il faut le mettre. On le va mettre là. Attends, pas bouger. Tu bouges pas. Et on appuie bien. Ah. Ok, d'accord. Franchement, c'est vraiment pas mal. Regardez le chef-d'œuvre d'Opus. Tada. Non, franchement, il est beau. Il est beau ton tableau. Regardez ce que ça donne de plus près. Et franchement, il est pas mal, hein. Bon, j'ai juste retouché un petit peu, j'ai remis un tout petit peu de noir ici. Mais franchement, la pâte, elle a été super bien faite. Bon, et bien, franchement, la pâte d'Opus est beaucoup mieux faite que celle de Mélodie, hein. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer. Celle de Mélodie, c'est le contour qui est noir. Et là, c'est la pâte qui est noire. Bon, voilà, pour la fin de la vidéo, Opus nous a rejoint, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, pour Mélodie... c'était quand même un fail. Après, pour Opus, la pâte, ça va. Mais en tout cas, le tableau que j'ai refait pour Opus, il est beau. Et franchement, il est beau, il est bien fait. C'est juste que moi, j'aime pas trop les couleurs. Mais ça, c'est autre chose. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Opus, tu prends toute la place. On me voit même plus. Je sais que c'est toi la star, mais bon.
Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque sortie de nouvelles vidéos. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, donc principalement Instagram, Facebook, TikTok, c'est Mélopus Baïléa. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Il me regarde de travers, j'ai peur. Oui, je t'aime. Ah, ça va tomber!